Bienvenue à Bax Music pour vous parler de cette superbe Faisley FES318. Nous allons voir si c'est la bonne guitare pour vous, quelles sont les spécifications de cet instrument et quel type de sonorité on peut avoir avec. C'est parti! Il s'agit donc d'une guitare électrique de type hollow body thinline, donc une quart de caisse, on va dire. Donc un corps creux avec deux micros humbuckers. Chevalet fixe avec ce type de chevalet rétro, avec un contrôle tone et un contrôle volume pour le micro manche, et vers le bas c'est le micro chevalet comme toujours, donc tone et volume. On a un manche 22 cases, une touche palissandre, le corps est en tilleul avec cette magnifique finition Dakota Red, donc c'est un rouge qui vous rappelle un petit peu comme un rouge à lèvres, et très 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 joli. Nous avons un diapason de 24-75, donc le diapason c'est la longueur entre la frette 12 et la frette 0 multipliée par 2, donc 24-75 c'est la même chose que sur une Les Paul Gibson, ou une Les Paul tout simplement, donc ça va être des cases un petit peu plus petites. Donc FES 318, bah, ça nous rappelle la Gibson ES 330, et c'est exactement à cette guitare là que ce modèle-ci fait référence. Cette guitare vous est proposée donc par Bax Music, la marque Faisley, donc pour vous offrir un très bon rapport qualité-prix avec une forme que l'on connaît tous. On va voir donc quel type de sonorité on peut obtenir avec. On va démarrer par le micro manche, c'est parti. Chose avec le micro intermédiaire. La même chose avec le micro chevalet. Au niveau des sensations de jeu qu'elle procure, eh bien, on a affaire à ce type de corps style Gibson ES. Donc j'aurais pu vous jouer du BB King, j'ai préféré m'orienter un petit peu côté British Pop. Et les sensations sont très bonnes, très agréables. Quelque chose que je remarque souvent avec ces guitares-là, donc ces petites Gibson ES ou ces formes-là qui rappellent aussi les Epiphone, c'est que les cordes sont en général très près du manche, donc de manière très confortable. Attention, elles frisent absolument pas, vous l'avez entendu, mais le confort de jeu est très très bon. Des fois, elles vont traverser le corps, des fois, elles vont aller directement. Donc relié à partir de ce type de chevalet qui est attaché à l'attache courroie. Donc pour terminer, je vais vous jouer un petit truc des Beatles. Et puis ensuite, on va
voir un petit peu quelques autres informations par rapport à cette guitare. Pour finir, je vais vous jouer un petit solo avec le gain de l'ampli à fond. C'est parti. En conclusion, une guitare polyvalente qui va vous permettre d'évoluer entre le jazz, le blues et la pop. Avec ces deux micros double bobinage, eh bien, vous êtes tranquille, vous aurez un son puissant et chaleureux qui sortira automatiquement. Le prix est très très attractif par rapport au type de guitare qui ont ce profil-là. Eh bien, celle-là est l'une des plus intéressantes au niveau des tarifs. Elle est disponible et vous attend dans la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien vers la boutique de Bax Music. J'en profite pour vous remercier de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Bax Music en espérant que vous trouviez bientôt la guitare et l'ampli de vos rêves. Je vous retrouve le plus vite possible pour une prochaine démo. Bye bye.